Andalusia. Nuba Andalusia, une émission produite et présentée par Dr Nourdin Saoudi tous les vendredis de 22h à 23h. Nuba Andalusia, réalisée par Amin Louli. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم دون نوبا أندلسية ان اسباس كونساكري على الموسيقى أندلوز الجيريان مي également à ses styles de proximité que nous vous proposons tous les vendredis à partir de 22h et tous les mardis à partir de 13h avec votre serviteur Nourdin Saoudi. Salam. Musique andalouse. Musique arabo-andalouse, style Sanaa et El Adziria, style Sanaa et El Tlemcenia, style Gharnati, style Malouf, autant de dénominations pour qualifier un art musical majeur qui caractérise la musique citadine, celle qui un jour s'est réfugiée dans toutes les cités algériennes côtières, mais pas uniquement, cité écrin d'un joyau inestimable et gardé jalousement depuis. Comme il me plaît de vous retrouver, chers amis, pour une nouvelle aventure, une tranche de temps et un nouvel espace de symbiose et d'harmonie, une nouvelle aventure d'essence et une nouvelle partition, vous retrouver pour de nouvelles vibrations, hautes en couleurs, en rythme et en mélodie avec ce legs musical et ses différents paradigmes qui illustrent et définissent la musique classique algérienne, dite andalouse. C'est cette dimension quasi mystique d'une musique qui allie science et philosophie, qui interpelle autant qu'elle envoûte, qui a transcendé le temps et qui contient en elle les substances de sa propre et incroyable vitalité à travers les siècles, qui a suscité et suscite par sa magie encore, encore et toujours l'intérêt de tous. Paradigme d'une haute et brillante civilisation qui a nourri le monde et à laquelle nous appartenons, la musique classique algérienne, dite andalouse, continue de servir de creuset fécond pour tout essai de renouvellement musical et d'apport nouveau. C'est dire l'importance de faire connaître et de transmettre l'art des Noubettes. Et dans ce cadre, je ne peux que m'enorgueillir de la richesse qui est la nôtre dans le domaine du monde musical andalou et du dynamisme de mon pays, l'Algérie, comme acteur de préservation, de transmission et de création. سلام عليكم سلام عليكم ما أمر فراقكم وأظلم الدنيا علي وأوحشا سألت الذي تجري الرياح بأمره يقربنا بعد البعاد كما يشاء. Je vous salue. Je vous salue, comme amère est votre absence. Sombre est la vie pour moi et inhospitalière. J'ai prié Dieu, celui à qui les éléments sont soumis. J'ai prié Dieu pour que, après l'éloignement, il puisse nous rapprocher comme il le veut. Thank you.
c'était des quatrains de Aboul Faïd Al-Kettani. Nous avons vu précédemment que la structure de la musique andalouse était un édifice à cinq branches qui s'articule autour de mouvements instrumentaux et vocaux dont la progression linéaire se caractérise par l'accélération de ces différents mouvements jusqu'au final qui invite à la joie et à la danse qui est le khlas. Nous avons dans ce cadre commencé notre illustration de ces parties chantées de la Nouba par un magistral premier mouvement, Oum Saddar, interprété par Cheikh Dahman Ben Achour dans le mot Ziden. En l'occurrence, Tahia Bikoum, rappelant que le Saddar est la principale œuvre chantée de la Nouba, que définit d'ailleurs le sens de sa terminologie qui veut dire « trôner ». Faisant suite au Msaddar, nous avons apprécié Mtaihi, qui est un exemple illustrant le deuxième mouvement de la Nouba. C'est avec la voix de Cheikh Si Mohamed Khaznaji, Rabbi Tawal Fi Amrou, qui nous a interprété Moud Badat Shams al Muhayya dans le mode Mjenba, que nous avons fait escale. Pour cette nouvelle émission, nous poursuivons notre progression dans la séance musicale de la Nouba pour l'illustrer avec le troisième mouvement que nous appelons Darj et que nous pouvons traduire par accélérer. Effectivement, comme vous allez le constater, chers amis, le mouvement Darj ou troisième mouvement de la Nouba, même s'il s'inscrit dans un tempo à quatre temps, n'en est pas moins plus rapide que le Msaddar et le Ptaihi, mouvements qui l'ont précédé. La voix du carouzo algérien Cheikh Mahiddin Bachtarzi nous entraînera vers le troisième mouvement de la Nouba Andalusia. Il s'agit d'un darj dans le mot d'Hassin, « Adjarat l'innadirina dhabiyatun, laytaha fi wasti qalbi tarta'u », un monument du genre poétique, prosodique, mélodique et évidemment vocal. Excellente écoute avec ce sublime darj que précède un istikhbar araq, « Salamun alaykum ma amarra firaqukum wa adlamat dunya alayya wa awhasha » سألت الذي تجري الرياح بأمره يقربنا بعد البعاد كما يشاء. Nous sommes en train d'écouter Si Mahiddin Bachtarzi dans un magistral darj Hassin, Adjarat li nadirina dhabiyatun laytaha fi wasti qalbi tarta'u. Un autre exemple, une autre couleur dans l'interprétation du mouvement darj, nous est illustré par la société littéraire et musicale La Slam, avec Fiqh Yanadimi, Fiqh Wustabshar, dans le mode Maya. Interprétation tout en majesté d'un darj
Fiqh Yanadi Mustabshar, dans le mode Maya par l'association littéraire et musicale La Slam. C'est avec la voix du maître des sens, Cheikh Abdel Karim Dali, que nous allons illustrer la quatrième partie de la Nouba. Il s'agit du mouvement Insiraf, décliné ici en rythme ternaire ou impair. Cheikh Abdel Karim Dali nous transporte dans les arcanes de la Nouba d'Il avec l'Insiraf fi Ishqati Har al-Tabib. Rappelons que l'Insiraf, quatrième mouvement de la Nouba, annonce la fin imminente de la séance musicale, d'où le terme de « départ » qui le définit. Une autre couleur de cette si riche musique andalouse nous est présentée ici par Cheikh Hassan al-Annabi dans cette Insiraf d'Il de l'école du Malouf. « Bi ayyi sabab nuhjar » « Pour quelle raison j'ai été abandonné ?» Cette Insiraf sera suivie par le dernier mouvement de la Nouba andalouse, mouvement que nous appelons « Khlas ». Khlas ou final. Il s'agit d'un khlas d'Il interprété par Cheikh Hassan al-Annabi Tarahalu anni wa saru. Style malouf avec la voix inimitable de Cheikh Hassan al-Annabi dans un Insiraf khlas d'Il. Nous terminons l'illustration de la structure de la Nouba avec l'ultime mouvement chanté que nous appelons khlas ou mukhlas. Il s'agit d'un final en rythme alerte et dansant. Cheikh Sadiq al-Bjaoui va nous entraîner à travers ses envolées lyriques dans un sublime dialogue entre voix et ritournelle musicale, débutant par un insiraf dans le mode Raml al-Maya, Masaba Aqli Siwa Sihar al-Jufoun, relayé par un khlas Raml al-Maya, Rimoun Ramatni, délectation. Voilà, ainsi s'achève notre émission Nouba Andalusia. Je remercie M. Amilouli qui m'a accompagné dans la réalisation de cette émission. Et mes remerciements également à Feriel qui était à la barre technique. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission, même heure, même station. Dans l'attente, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Salam.